Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mickey Messi, mon Dragon Boy. J'ai vous fait cette petite vidéo parce que c'est un peu triste quand même. Vous savez, comme vous savez, je suis parti l'île de France depuis quelques semaines. Je suis parti vivre dans le sud, donc ok, moi j'adore cette vie. Et je reviens tout le temps à Paris. Tout le temps. Donc on y arrive toutes les semaines. Pour le boulot, les tournages, les photos et autre chose. Le problème, moi qui suis né à Paris, qui ai grandi à Paris, mais je ne reconnais plus cette ville en fait. Entre toutes les rues qui se sont commercialisées, moi j'ai grandi en sentier, c'était vide en fait. À part les boutiques de tissus, il ne se passait rien. Maintenant, tu as des salles de sport, tu as des magasins, des supermarchés. Ok, ça c'est bien à la limite. Je trouve ça, je comprends. Les gens ont besoin de commerce, ont besoin de bars, ont besoin de plein de choses. Ça, moi je suis content parce que je n'en profitais pas vu que j'étais petit. Mais si j'avais continué à habiter dans le coin, j'aurais été content. Le problème, c'est que. Et ça, à part les cyclistes et. On va le dire honnêtement, les gauchos, le fait qu'il n'y ait que des pistes cyclables à Paris, qu'il y ait des rues qui ont changé de sens, qui ont rétréci, la rue Rivoli, on n'a même pas le droit d'y circuler, parce que c'est soit pour les vélos, soit pour les bus, soit pour les taxis, soit pour les forces de l'ordre, alors qu'avant, on pouvait y circuler comme on voulait, bah, ça crée des bouchons. Ces bouchons-là te dégoûtent en fait de venir en voiture à Paris. Après, il y a les restrictions, soi-disant, pour la pollution, alors qu'il y a les usines qui tournent de ouf et qui polluent 10 fois plus qu'une voiture diesel, enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, moi ça me choque. Et moi, c'est plus ce cyclable, le périph. Moi, quand j'étais petit, il était à 80. Là, il est passé à 50. 50 hey, bientôt, on va courir sur le périph tellement que ça va être lancé. C'est un truc de dingue. Donc, à un moment, il faut arrêter l'économie. Il faut se dire que faut penser aux Parisiens, mais aux vrais Parisiens. Pas aux Parisiens bobos là, qui vivent dans son quartier, qui en fait, bah, il prend jamais la voiture. Il vit pas dans. Bah, il profite pas de Paris. Il vit dans son quartier, il est content, il travaille à côté de chez lui. Et il va bosser à vélo, il mange des graines, il est content. Mais en fait, c'est pas ça le Parisien. Le Parisien, c'est un citadin qui travaille, qui profite de sa ville, mais qui a besoin aussi d'un véhicule. Parce que les transports, c'est pas possible en fait. Il y a 26 000 personnes, c'est sale, les gens ils se font agresser. Enfin, non, il faut laisser les gens pouvoir avoir le droit d'avoir un véhicule. Pareil, le stationnement en plein centre de Paris, avant c'était 4 euros. Et dans les arrondissements aux alentours, c'était 2,80 euros. Là, c'est passé à 6 euros dans le centre et 4 euros dans les arrondissements alentours. C'est abusé en fait. À un moment, si vous êtes des voleurs et tout ça, pourquoi? Pour qu'il y ait des députés, pour qu'il y ait des qui se droguent, pour qu'il y ait des voleurs. Enfin, ça dégoûte en fait. Donc franchement. Voilà, j'ai juste en dire pire que Paris. Je suis très déçu, je suis très content d'avoir quitté parce que c'est plus du tout ce que c'était. Et ça va le faire qu'empirer.